Salut les Disney fans, c'est Alexandra, alias Ecastera de DLP Next. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extension des Walt Disney Studios en 10 points vrais connus à ce jour. Premier point, Walt Disney Company investit 2 milliards d'euros pour agrandir les Disney Studios du parc Disneyland Paris et créer à cet effet 3 nouveaux lands ainsi qu'un lac artificiel. Deuxième point, un land de Marvel va voir le jour. Ce land sera non pas une création, mais plutôt une réhabilitation. En effet, Bad Clock va être transformé. Troisième point, Aerosmith Rock'n'Roll Coaster sera transformé en attraction sur le thème d'Iron Man, avec une file d'attente immersive et une sortie via une boutique. Quatrième point, un land de Star Wars baptisé Star Wars Galaxy Edge. Ce land est actuellement en cours de finalisation à Walt Disney World et contient deux attractions, un restaurant et de nombreuses boutiques sur le thème. Cinquième point, le land de Frozen. Ce land arrivera au parc Disney Hong Kong avant d'arriver chez nous, à Disneyland Paris. Il comportera des boutiques et points de rencontre, avec trois attractions possibles encore inconnues à ce jour. Sixième point, le lac artificiel. Des spectacles seront organisés autour de ce lac et on pense notamment à Disney World of Color. Septième point, les travaux vont s'étalonner jusqu'en 2025. Vous pouvez retrouver le calendrier en détail qui a été dévoilé dans les documents sur la consultation publique. Huitième point, Hollywood Boulevard sera prolongé avec une allée jusqu'au lac. Les détails sont encore inconnus. Neuvième point, le parc va doubler sa taille en utilisant l'espace disponible situé entre Val d'Europe et le parc Disneyland. Et pour terminer, dixième point, avec ses futures extensions, le Walt Disney Studio va devenir un parc complet et nous apporter deux fois plus de plaisir. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et sites internet pour ne rien louper de l'actualité Disney et Disneyland Paris et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour les actualités en bref hebdomadaires.